La sagesse de l'eunuque. Certes, dans les parfums et l'ombre du sérail, j'ai vu des corps choisis pour le baiser des princes. Flots de satin vivant, fleurs d'ambre et de corail, moissons d'amour fauchés au lointain des provinces. J'ai vu l'Indo au sein bronzé par l'air du ciel, la juive aux larges yeux, la mauresque au rein souple, et la vierge du nord blonde comme le miel, et les filles d'Hélas qui s'endorment par couple. Mon oreille a connu le bruit de leurs sanglots, et j'ai vu se mouiller leurs bouches purpurines, et mourir leurs regards sous les cils de mi-clos, lorsque le vent du rude secoua leur poitrine. Moi, le sage aux yeux froids, affranchi de la chair, berger de ce troupeau que les hontes tourmentent, je sais par quel prestige Allah nous leur enchère, et j'ai lu le secret de ces beautés qui mentent. Femme, c'est pour un but que tes flancs sont pétris. Allah t'a faite futile, Allah te veut féconde, mais il a refusé la splendeur des houris, à ton sein déformé par le berceau du monde. Ton corps est laid, sans force, impur, lent plaisir, mais jusqu'à l'heure auguste où l'œuvre se consomme, le mal ne te voit qu'à travers son désir. La beauté de la femme est dans les nerfs de l'homme. Parce que la loi sainte a dit « Reproduisez. Ton Seigneur croit aimer et tu crois être aimé. Mais c'est le vœu d'en haut qui vous jette au baiser. Et ta beauté finit quand la chair s'est pâmée. Qu'importe. Ouvre en riant tes lèvres et tes bras. Femme, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui les appelle. Tant que vivront les fils des fils, tu resteras par l'éternel désir, éternellement belle. »